tous. Donc je voudrais vous remercier d'être ici ce soir déjà en tant que public. Je voudrais remercier l'artiste qui a invité, qui s'appelle Rob Tito, que je pense que vous connaissez tous. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aubenine Collin et je suis présidente d'une nouvelle association qu'on a créée avec Stéphane Vernier et Amande Mignot qui sont ici ce soir et qui s'appelle Home Diffusion. Et le but de cette association, que je ne parle pas, c'est de faciliter tous les aspects techniques et administratifs pour monter un concert vis-à-vis de l'artiste, en fait, pour qu'il n'ait plus qu'à se brancher avec son instrument et à s'occuper de sa musique uniquement. Donc voilà, moi, en tant qu'artiste, je sais au combien ça fait stressant d'organiser un concert, donc j'aurais aimé que des gens qui me soulagent comme ça. Donc voilà, c'est le but de mon association, de permettre à des artistes de pouvoir uniquement jouer et s'exprimer. Et le deuxième but, bah, c'est d'offrir au public de Saint-Barthélemy des concerts de qualité avec des artistes de talent. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, voilà, je vais laisser place à l'artiste. Je remercie, vous avez profité d'un magnifique lieu qui est l'église anglicane. Donc je remercie l'église, Charles et Nicole et en particulier Philippe Tremblay qui me soutiennent toujours dans mes projets. Donc on a la chance de pouvoir assister à des concerts dans des lieux de qualité, ça joue aussi pour les artistes. Et voilà, et je vous remercie à tous d'être là et passez une excellente soirée. Oh,
Je vais jouer principalement des compositions. Voilà. J'ai pas l'habitude de faire ça tout seul avec une guitare. Donc, merci. Donc là, je me chauffe avec le morceau sonore de Rainbow. Le prochain morceau, Animals. Je vais essayer juste.
puisse jamais. Les gens qui parlent tous français, mettez la main s'il vous plaît, juste que je sache. Ok, people who speak English here, please. Ok, so. Should I speak French or English? English for everybody, yeah? It's okay for you? Alright. Mm-hmm. So, when I actually lived here for many years, and I wrote a song about St. Bart's. Who knows that song? You. Alright. Well, I actually wrote another song. It's on my album. If you get my album, you should know that one. It's called Hard Life. I love St. Bart so much that I had to write two songs. There goes something like this. Anyway, this next one is new stuff.
Dixtienne. Est-ce qu'on modifie?
song is another song that's never been released. It's my cousin who was feeling very lonely, and she lost hope with men, and inspired me that song. It's called Lonely Baby. Thank you.
at the clouds making love in the sky. Feeling the sun rays warming my face. Just a stolen moment. I'm keeping my heart warm in this world. We never know where to go. Birds singing songs, flowers all around. Thank you.
Okay, so this next one is a song that's called Sunshine People. It's I'm paying respect to all the people who are always positive, no matter what. And I'm from the Philippines. And originally I wrote this song for them, but I can apply it to the whole world, actually, for the positive ones.
How's the sound so far? Okay? Sorry for all the depressing songs. That's the way I write my songs. I have no friends, so you know, I write stuff.
C'est la cantine? Oui. Ok. Thank you so much. Thank you very, very much. Okay, next one is called See You Again. See You Again, you can find it on Spotify. By the way, you can find my music on Spotify, Amazon, Apple Music. But most of the songs I performed were, are not released. But this one is. It's called See You Again. This is a song that I wrote when I was in St. Bart's.
Thank you.
Thank you, I hope to see you again the next time I come back in 10 parts. Thank you so much, so much. And please put a like on my Facebook, Instagram, that will really help me out. Thank you. Many songs you can find over internet though. Many. Oh, by the way, you have a champagne offer right there, on the right, by the church. But Anglican church. By Philippe. Thank you. Let's see you there. Let's go.